Aujourd'hui, c'est l'heure de la... Et boîte, elle est bleue. Graou, les gens, vous allez bien? C'est les Gauchis et les Gauchis. On se retrouve aujourd'hui pour la capsule de la boxe. Et ouais, d'avril, hein, quand même, parce que faut dire les termes. Hein. La capsule box d'avril vient d'arriver. J'ai pas encore reçu la Neon Box. C'est un peu long. Il y a eu beaucoup de fériés. Ça aide pas. Mais du coup, voilà. Donc j'ai la capsule box d'avril. Du coup, la capsule, et bah du coup, bah dedans comme d'habitude. Alors, il y a des trucs qu'on s'en fout. Hop, je montre pas, je regarde pas. Il y a comme d'habitude le fascicule qui sert à rien, le bubble. Ensuite, la carte Yata Japan, on s'en fout. Et le fascicule que je garde précieusement pour la fin. Voilà. Et bah du coup, c'est parti pour aller la bouffe. C'est un Umaibo. Oh, c'est pas un Umaibo. C'est des cacahuètes. Pas des cacahuètes non plus. Du coup, c'est... Alors, ça a l'air d'être une sorte de mochi. Voilà. Je vais pas les goûter maintenant. Voilà, on goûtera plus tard avec la 600. Mais je vous dirai en dessous si c'était bon. Voilà, juste en dessous. Là, ça sera marqué maintenant si c'était bon. Voilà. Du coup, eh ben, on commence avec la première... J'ai peur pour ma vie, là. Du coup, la première boule. Ah, il est marqué Super Mario... C'est marrant, j'ai reçu Super Mario RPG aujourd'hui. Quelle coïncidence. Alors, du coup, qu'est-ce que c'est le Super Mario? Ça me fait rire. Vous n'êtes pas prêts. Alors, il s'agit en réalité d'une montre. Et ouais, une vraie montre. Hein. Ça a l'air d'être... Oui, c'est une vraie montre. Du coup, il y avait plusieurs possibilités. Voilà, donc il y avait, comme on peut le voir, Zelda, un Pikmin... Aloy, Kratos, aïe, et là c'est bien évidemment Indiana Jones. Et ouais. Du coup, alors moi j'ai eu, bah j'en sais rien, en fait j'ai pas encore regardé, bête. Alors c'est, du coup il y a un cube, ah bah il y a des beaux bombes. Et des... Ah bah c'est des méchants dessus, donc je pense deviner qui j'ai eu. Parce que du coup, avec mes conneries, je m'avais dit qu'il y avait pour de vrai. Voilà, mais en gros, bah j'imagine que c'est Bowser. J'ai du mal à l'ouvrir, effectivement. C'est bien Bowser. Voilà, donc c'est Bowser. 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 Donc c'est... Non, c'est pas bizarre. Hein. C'est bizarre, le Goshi, ce soir. Alors, donc c'est Bowser, elle est dans un petit cube comme ça, donc c'est une vraie montre, elle fonctionne. Alors, je peux l'allumer maintenant parce que flemme, voilà, parce qu'il faut enlever l'étiquette, tout régler, tout ça, j'ai la giga flemme, voilà. Mais elle est très belle, en tout cas, elle est vraiment belle, je l'aime beaucoup. Bah, vous savez quoi, je vais la mettre. Bon, bah, en vrai, de vrai, c'est pas une jolie montre, hein. Voilà. Bon, t'es pas très discret, mais elle est cool en vrai. Elle est cool, je l'aime bien, voilà, je la garde, voilà. Alors, bah ça c'était la première boule et j'aime beaucoup, voilà, elle est vraiment très cool. En vrai, non, en vrai, elle est vraiment cool. Non, elle est cool, voilà. Bébule suivante. Wouh. Alors, bébule suivante. De quoi ça s'agit? C'est quoi? Non, oh, c'est un cadre Dragon Ball. Alors, on va d'abord montrer comme d'habitude les possibilités qu'on aurait pu avoir. Je le dirai en même temps. Oh, ça me va. En vrai, ça me va. Donc, il y avait pas mal de choix. Il y en avait 8. Voilà. Donc, il y avait 8 cadres différents. Voilà. Hop. J'aurais beaucoup aimé avoir, du coup, aussi le Gohan avec Cell. Parce que Gohan et Cell, hein, c'est mon combat préféré ever. Donc, l'arc cyborg est mon arc préféré ever de Dragon Ball. Et j'ai eu un cadre qui me va également. Oh, c'est cool. Il y a un petit, voilà. Regardez, il y a un petit truc là pour le bien caler. Et du coup, j'ai eu... Bou dans la voiture avec Hercule. Voilà. Bon, vous aurez, là, il était flou. Vous allez avoir maintenant un truc un peu plus proche. Il est vraiment trop cool. Non, en vrai, il est très très cool. J'aime beaucoup. En plus, j'ai eu un aléatoire qui me va très bien. J'aime énormément Bou également. De toute façon, Cyborg et Bou, c'est mes deux arcs préférés. Voilà. Et je déteste Namek parce que réfrigérateur, là, en... Pff, pour un méchant, il m'énerve. Donc, ça, il est trop... Franchement, il est trop cool.
il est vraiment trop cool, je l'aime vraiment beaucoup. Voilà, c'est vraiment un objet sympathique, sympatoche. Bubble suivante. Oui, tu es petite celle-là. Alors, de quoi ça s'agit? La mystère. Le mystère du mystère, bah, on ne sait pas. Va-t-il réussir à ouvrir cette satanée boule? Oui. Non. C'est long. Alors, mais ouvre-toi un jour! Voilà. Alors, c'est quoi? Ah, ok. Alors, j'ai pas la ref. Alors, vous allez plus m'aider que moi, du coup. Y a-t-il des vannes de Gundam ici? Parce qu'en fait, il s'agit d'un gachapon Gundam. Alors, je n'ai absolument pas la ref, du coup. Donc, il y avait 4 personnages. Bah, attendez. Il est où? Il est où le Yamcha? Le petit Yamcha. Hop! En fait, c'est la même collection que ça. Mais avec des Gundam. Voilà. Et du coup, je vais vous montrer l'aléatoire qu'on a eu. Alors là, je dis tout de suite, là, c'est vous qui allez me dire en commentaire c'est quoi. Parce qu'en fait, s'il y a des fans de Gundam, là, clairement, j'ai pas la ref. Parce que c'est pas le robot principal. C'en est peut-être un des principaux secondaires, mais c'est pas celui que je connais le plus. Voilà, il ressemble à ça. Alors, il est choupi, hein. Voilà, mais j'ai pas la ref. J'ai pas la ref. Mais après, il est choupi, je le garde, hein, clairement. Il est vraiment trop cute. Mais du coup, bah, j'ai pas la ref. Si vous avez la ref, dites-moi en commentaire, parce que voilà. Mais il est vraiment très cute. Voilà. Là, par contre, on est d'accord là-dessus. Il est vraiment très cute. Je l'aime vraiment beaucoup. Voilà. C'est marrant, ça fait. Et quand je monte à la lumière prend la couleur du Gundam. C'est tout bleu pour vous? Oui, c'est tout bleu pour vous. Je comprends pas pourquoi. Et c'est un robot magique. Donc voilà. Donc le robot magique, il est vraiment trop chou. Bubble suivante. Alors. Où je reconnais cette tête. Il s'agit des Totally Space Marines. Du coup, il s'agit de Card Captor. Attendez, il y a une subtilité. C'est Card Captor Sakura, mais pourquoi elle a des oreilles de chien? Oh, I have compris. Du coup, en fait, c'est Sakura. Donc c'est des aléatoires Card Captor Sakura, je vais y arriver. Mais c'est que Sakura. Mais, subtilité subtile. Un partenaire avec Sandrio. Et du coup, bah moi j'ai eu avec Cinnamon Roll. Cinnamon Roll. Voilà. Du coup, il pouvait y avoir aussi My Melody, Kulomi et Pompoline. Ah, il y avait aussi un Kitty, ça devait être un rare. Je sais pas. Ou alors c'est une autre collection, je sais pas. Mais parce qu'il marquait 4, mais je crois qu'il y a une autre collection où c'est du coup les personnages de Sandrio en Sakura. Mais du coup, bah moi j'ai eu Sakura en Cinnamoroll. Et elle est vraiment très sopineuse. Je vous montre, attendez. Regardez-moi cette cutie. Elle est trop belle. Voilà. Avec les petites oreilles de Cinnamoroll. Non, en vrai, elle est trop cute. Elle est giga cute. C'est pas faux, l'assistant a dit qu'elle ressemble un peu à un perso de Chobits. Effectivement. Mais ça reste du clan. Ça reste top. Voilà, donc elle est trop chou, je l'aime vraiment beaucoup. De toute façon, j'aime beaucoup Sakura. Faut lire Sakura, faut vraiment lire Card Captor Sakura parce que c'est une dinguerie. Alors, Clear Card Arc, je serais pas autant enthousiaste, mais c'est sympa, c'est le principal. Et elle est vraiment trop chou, pipou. Et du coup, bubble suivante, oula, c'est quoi? C'est quoi? Qui c'est? Alors, du coup. On avait. Alors, je vous montre d'abord les aléatoires et je vous montre celui que j'ai eu après. Parce qu'en fait, j'ai eu le plus chaud. Alors, il y avait. Du coup. C'est Kirby. Il y avait plusieurs possibilités possibles. Du coup, c'est une baignoire avec du coup Kirby dedans. Ou sinon, il y avait un petit monstre de Kirby qui se sèche, Kirby sèche-cheveux et Kirby qui fait dodo. Et bah j'ai eu le plus choupipou, la baignoire. Non mais je veux dire, regardez-moi cette choupipoutitude. J'ai Kirby dans une baignoire. C'est le meilleur des quatre. Clairement, c'est le meilleur. Parce que les autres, il n'y a pas vraiment d'accessoires. C'est juste le personnage qui se sèche, que ses cheveux, enfin voilà. Et là, il y a la baignoire. Il est juga cute. Regardez-moi ça, wesh. Comment vous pouvez dire qu'il est pas cute quand on voit un truc pareil? Non mais, il est giga mignon.
Mais oui, les gars mignons. T'as vu comment il est les gars mignons? Il est les gars mignons. Les gars mignons. Regardez les gars mignons. T'as vu? Il est les gars mignons. T'as vu les gars mignons? Attends, je vais entrer au prochain. T'as vu? Il est les gars mignons! Le voisin était pas là. Il a raté un truc. Je passe beaucoup trop de temps sur ce géant, on est d'accord. Mais là, j'ai les gars mignons aussi. Appui suivant. Appui suivant. Qui est la dernière bouboule? Il était content en plus. C'est ça le pire, c'est qu'il est content. Alors ensuite, du coup, la dernière bouboule, c'est quoi? Oh, t'as peut-être un mignon. T'as peut-être un mignon. C'est marrant, il y a beaucoup de licences cette fois-ci. Il n'y a qu'un truc pas de licence, en fait, du coup. Et c'est celui-là. Alors, de quoi ça s'agit? Je vous montre d'abord les aléatoires. Il s'agit tout simplement de plateau repas. Et ouais, il dit plateau repas. C'est les meilleurs gâteaux japonais, on est d'accord? Ouais, d'accord, c'est des trucs un peu tradis. Moi j'aime bien. Et nous on a eu des sortes de. Bah, c'était que des desserts? Attendez, c'était que des desserts? Non, il y avait du salé. Non, nous on a eu des desserts par contre. Voilà, nous on a eu des desserts. Donc attendez, je vous. Oula, il y a une toute petite cuillère! Oh là, l'assistant va faire ça. L'assistant il le fait, attention, elle est là, elle est toute petite, je la montre. Voilà. Il monte ça et je vous monte après. Alors, petite anecdote, pendant qu'il fait ça. Moi j'ai mis la montre à l'heure et elle marche très bien. Voilà. J'étais loin du micro, je sais pas si on m'a entendu. Mais elle marche très bien et du coup elle est à l'heure. Et je la garde. Je m'en fous du regard des gens. Moi j'ai une grosse brique Mario au poignet. Moi j'ai une grosse brique Mario au poignet. Tu feras avec. Voilà. Et du coup en plus c'est Bowser. Moi j'aime bien Bowser. J'aime bien Bowser. Elle est un peu dure à ouvrir par contre. Avec ce que je ne veux pas parler. Mais du coup c'est vrai qu'elle est un peu dure à ouvrir. Mais en vrai. Ah, c'est Bowser. Ah, j'aime Bowser. Ouais, je meuble, il est en train de faire le truc là, du coup, moi j'attends. mais j'aime Bowser. Saviez-vous que Bowser il s'est arrêté un dinosaure? Et non pas une licorne. Et ouais. Il a fini. Attendez, je vous montre du coup. Oula, c'est tout. Oh, c'est tout. Oula. Je vais montrer vite fait et je le pose parce qu'en fait. Voilà, il y a une assiette, vous allez plus voir en zoom, je vais le poser pendant que je parle. En fait, c'est un plat avec des desserts, tout ça, et c'est vraiment trop cool. Et c'est vachement détaillé, l'air de rien. C'est vachement choupi, c'est vachement mignon, c'est une super idée. En vrai, c'est vraiment une super idée. Bon, par contre, ça, c'est faut vraiment y aller doucement et c'est tout petit. Du coup, c'est trop cute. Voilà, en vrai, c'est giga cute. Moi j'aime beaucoup ce genre de petits gacha et moi en vrai qui m'ont tada. J'aime bien les gacha. Et du coup, eh ben si c'était le dernier, eh ben on va faire un récacap fascicule. Si c'était là. Alors, je vais pas montrer les gachapons parce qu'en fait c'est du petit, c'est chiant à montrer à chaque fois. Mais du coup, chaque fois, j'ai peur de faire tomber les trucs, les bidules, voilà. Alors on va commencer avec Cardcaptor Sakura Sanrio Collaboration Mascot. Les collaborations entre Cardcaptor Sakura et Sanrio sont incroyablement populaires au Japon. Pour cette nouvelle série de Gachapon, l'héroïne Sakura Kinomoto, elle a une famille, c'est vrai, se déguise en personnage de Sanrio. Découvrez au hasard Pompompurin, Cinnamoroll, My Melody et Kurumi. Et du coup, on a eu Cinnamoroll et il est trop giga cute. Elle est trop giga cute. Si elle est cute, il tue. Voilà. Et j'aime vraiment beaucoup. Ensuite, Dragon Ball Window Art Collection Series 2. De retour dans Capsule Box, il s'agit de la deuxième série des mini-cadres Dragon Ball et on reprend chacun une illustration culte apparue dans le manga mythique de regretté Akira Toriyama. Il y a 8 designs différents à découvrir au hasard. Et je suis très content de celui que j'ai eu parce que Boo avec Hercule dans la voiture, franchement, c'est trop culte. Oh, c'est vrai, ils ont du manga, jeune tité. Même le chien choqué, vous l'entendez. Sorti manga. Pas dit non. Kirby Sweet Dream figure mascotte. Kirby, la mascotte de Nintendo, revient dans votre capsule box avec une nouvelle collection de gachapons super mignonne. En effet, les 12 couleurs pastels sont au rendez-vous pour cette série Kirby Sweet Dreams. Il y a 4 versions différentes à collectionner et on a clairement eu la meilleure. La baignoire avec Kirby, c'est la meilleure version. Je veux dire, au bout d'un moment, soyons objectifs. C'est la meilleure version. C'est tout. Ensuite,
Super Mario Watch Collection, on dirait un Yo-Kai Watch, comment je vais le faire, découvre une nouvelle série de Gachapon super originales, des super montres, des superbes montres 3D Nintendo. Elles sont à l'image des personnages de Super Mario Bros. Retrouvés au hasard à l'un des designs Mario, Luigi, Peach, Yoshi ou bien Bowser. Ah, j'ai eu Bowser. J'aime beaucoup Bowser. Ensuite, Matsuboke Mobile Suit Gundam, apparu en 1979, Mobile Suit Gundam est aujourd'hui un incontournable au Japon. Pour cette série de Gachapon de la série Matsuboke, les Mobile Suits s'accordent une petite pause entre deux combats, 4 mechas différents à découvrir au hasard de cette série. Alors du coup, j'ai pas la ref, je vous le montrerai tout à l'heure, dites-moi si c'est un... Dites-moi si c'est un vrai Gundam, si ça se trouve. Même l'assistant, je souhaite. Alors, et pour finir, Ochaya Sanokanmi Mascotte Sakura. C'est le plateau. Au Japon, pendant la saison de la floraison des cerisiers, vous pouvez découvrir une infinité de snacks et de desserts aromatisés au Sakura. Cette série de Gachapon reproduit quelques-unes des pâtisseries au Sakura les plus populaires chez les gourmands. Ah là. Bah, moi, j'ai l'impression que c'est une glace, en fait. Avec des fruits dessus. J'ai l'impression que c'est une sorte de glace avec des fruits dessus. Je sais pas. Par contre, il y a un verre de matcha. Par contre, ça, du coup, je vais le mettre à la poubelle. Je vais garder le reste, mais le verre de matcha, il va aller à la poubelle. Parce que boire de la pelouse. Pff, je rigole. Hein. Pas pour boire la pelouse, mais pour le jeter, je rigole. Du coup, quoi que je pense de cette box, hein, eh ben, elle est très bien. Elle est très bien. Franchement, elle est très cool. J'aime vraiment beaucoup cette box. En plus, Bowser. Et ouais. Les capsules sont toutes cool. En vrai, il n'y en a aucune que j'aime pas. Elles sont vraiment toutes incroyables. Même la montre, elle est trop cool. Voilà. Le petit plateau, c'est une super idée. Et la petite Sakura est trop cute. Le Gundam, j'ai pas la ref, mais en vrai, il est mignon. Donc, je vais pas m'en plaindre. Vous savez, si vous suivez la chaîne depuis un petit moment, je ne garde pas les gachapon ou objets des box quand je ne fais pas la série en question. Mais là, on va avouer qu'il est trop cute. Donc je fais exception. Quand c'est vraiment des trucs qui sont vraiment méga cute. Genre, si un coup j'ai un petit truc du panda de Jujutsu Kaisen, je n'aime pas du tout Jujutsu Kaisen. C'est un panda. Je suis faible. C'est un panda, je vais le garder. Ben, si les gens me demandent... Ouah, c'est quoi le panda? Je fais... Wouah, pareil, Aïsa. Et du coup, c'est vraiment une bonne box. J'aime vraiment beaucoup. Voilà. J'espère que la vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me donner votre avis en commentaire. N'hésitez pas à me dire si c'est chiant que Lynn il fait la caméra bleue. Je crois qu'il va virer de la caméra, je pense, parce que il fait tout bleu. C'est chiant. Je pense que c'est vraiment sa vôtre qui est tout bleu. C'est pas gentil. Du coup, dites-moi tout ça en commentaire, juste en dessous. Et dites-moi en commentaire également si vous avez mangé une pizza récemment. Et voilà, une pizza. Je vous voulez. Pizza. Dites-moi dans le commentaire. C'est une pizza. Voilà, et comme d'habitude, mes réseaux sont en barre d'infos de descriptif, juste en dessous, comme d'habitude. Likez, partagez, abonnez-vous, activez la cloche pour ne rien rater, parce que si vous ratez des trucs, c'est pas gentil. C'est vraiment plus le temps avance, plus cette outro est super longue. Je rajoute des trucs à chaque fois. Bientôt, l'outro va faire 20 minutes et la vidéo va faire 2. Voilà, lisez des mangas, regardez des animés, jouez à des jeux vidéo, mangez des pommes, parce que c'est très bon les pommes. On se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo. D'ici là, prenez soin de vous, portez-vous bien. Je vous fais des graou, les gens. À la prochaine, bye bye. Tchou, et les gogo. Les gogo chi. Tchou.